puis je ne vais le déguster. Gardez qui j'en bral dégusté, bandit. Gardez qui j'en bral dégusté, bandit. Plusieurs mois, côté maître Sérard Garcius, te fin joué une révocation dans tête paquet Gonaïve, côté le remplacé par maître Vanel Amizial. Sans aucune explication et justification, maître Sérard Garcius retourné dans à qui ont lettre nomination encore en tête paquet comme commissaire gouvernement malgré maître Vanel Amizial pour qu'on joigne aucune lettre révocation ou bien transfert. Sous l'obédience nouveau commissaire maître Sérard Garcius gang kokorat sans race là qui t'est commencé par diplôme dans département après le refait si face côté qui te zone Tibradom ensemble avec sous-bassin blé vin tabi bazio nan porte rentrée cité l'indépendance là qui c'est la croix péris gang ça qui continue à opérer sans qu'elle saute déjà commettre plusieurs actes kidnapping séquestration vol ensemble avec assassinat sous population qui a fréquenté route nationale numéro 1 Williams Raymond c'est nos chefs de gang kokorat sans race là qui te joint arrestation pour activité criminelle, rive joine libération, nan mes chefs paquet Gonaïve la, commissaire gouvernement, Sérard Garcius, pendant juge qui était en charge de dossier si la, pat la pou prend aucune décision, libération chef gang nan tout puissant, kokorat sans race la, continue si mes gros doutes sous façon commissaire si la, a mené bak paquet Gonaïve la, côté non toujours cité, nan yon série de dossiers louches, tant koute zone mon blanc. Pep troisième section communale Léogane relé en mouy sekou à cause yon épidémie diarrhée qui frappe porte yo épidémie ça qui déjà la cause divers chrétiens vivant fevrel pour pays sans chapeau pendant week-end en pile information fait quoi que oui la police nationale a mené opération en dedans village des dieux alors que jusqu'à présent poko la police poko publié aucun bilan officiel, mais sous page officielle PNH la, coordination presse seulement annoncé à travers yon reportage, opération yo après poursuivre nan pays si tout nan village dédié ak savan pistache, pour citer sa yo seulement. La justice administrative à la réduction de comptes dans l'histoire d'Haïti. C'est sous thème ça, cabinet Patrick Laurent en tête collée ensemble avec Office Protection Citoyen lancé vendredi 5 mai à 10e édition Salon du droit en Haïti. Occasion pour différents intervenants yo discuter sous avenir droit en Haïti. Organisateur yo te tout profiter remettre des prix du salon. Ketli Julien, c'est une parmi personnalités qui remportait prix ça pour bataille la mené contre détention préventive prolongée dans le pays d'Haïti. Détachement BLTS qui basé dans l'aéroport arrêté vendredi en 5h dominicain dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture pas d'autre après dans pays Bahamas République dominicaine t'a cherché ressortissant ça yo pour trafic de drogue faux isage faux. La police dominicaine a annoncé arrestation yon ressortissant haïtien yeye ainsi connu. Autorité dominicaine yon présenté comme membre gang 5 secondes yon posé la patte sous li dans secteur Padre Granero nan Preto Plata. Saint-Paul Dafka, superviseur caisse ak Catherine Barochin, directrice opération nan Sojibank jwenn arrestation yo pour détournement l'argent client banque là qui évalué $132,000 vet. C'est direction centrale la police judiciaire qui posait la patte sou yo. La police continue à actionner zone en bas la ville. La police nationale la continue à intensifier opération tout partout dans un pays. Dans sens à force l'ordre renforcé présence pendant tout un week-end dans le village de Dieu. Plusieurs unités spécialisées à la section Angelouan qui mobilisaient une série opérations qui visaient débattre toutes foyers gangs qui établissent basio dans la zone sa yo et puis penser yo capable de terroriser la population.
L'autre information nous a gagné pour nous développer dans le journal la matin à cause du mouvement Bois Calais qui a pris territoire chaque jour. Mon Dieu, mette depuis plusieurs semaines dans le pays. Nèg exam yo paniqué, yo décidé, ouais, stratégie yo. Dernier jour, ça yo, quelques là de yo déguisé en machin qui a promené dans diverses zones, dans la région métropolitaine. Population en rive les plusieurs là d'ailleurs kaki piresan c'est nan meilleur côté population poser la patte sur une lande yo vendredi c'est meilleur n'a pas pour venir avec plus de détails ak information ça pour gen directeur général Radio Lumière dans Sony Lamar Joseph qui confirme nèg exam assassiné dans la nuit vendredi pour l'ouvrir samedi dans Onaville Paul Jean-Marie qui était gain 67 l'année qui était un membre personnel radio a l'étape travail dans radio a depuis 20 l'année il était animé émission une voix dans la nuit. Rectorat Université d'État d'Haïti a annoncé création yon commission provisoire restructuration dans l'école droit ak sciences économiques OCAL ETSEC. Selon si ki lè sa, rectorat publié commission sa gen 4 membres là-dedans parmi yo professeur Faltinor Patrick Douillon comme coordonnateur, Clovis Bartol coordonnateur adjoint ak affaires académiques. Secteur sous-traitance là, textile là, perdit presque 10 000 emplois dans l'espace 6 mois entre mois septembre 2022 et mois mars 2023 à cause du phénomène insécurité et puis rapidement gaz répété qui gagne sous marché local là qui donc dans le pays d'Haïti. L'autre information n'a pas pour développer dans le journal la matin, plusieurs bureaux de transfert fermés, déjà fermés portio dans la commune Kafou, avec l'autre qui fonctionnait dans ralenti parce que y'a des difficultés pour y'a capable de faire transfert, soit en dollars ou bien en goud, y'a obligé de tendre éventuel renfoum, y'a obligé de tendre pour y'a capable de joindre l'argent pour y'a capable de renflouer question. Y'a divers bureaux de transfert nous passer, c'est en pile monde, quelques petits graines qui l'ouvrent pour yo, c'est un pile monde qui toujours là, grand bonnet, capé en ligne, puis capable de joindre si l'argent proche voyé pour yo qui sorti à l'étranger. Zami internautes, c'est point ça avec diverses les autres qui pral fait essentiel dans le journal à matin, pas oublier, n'a pas diverses rubriques pour nous capable toujours porter information pour. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans le journal Tout Haïtien Connecté. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou avec patience ou merci parce que like, merci parce que abonnez et merci parce que partagez vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Zami pas ouf. Corruption dans Gonaïve, après plusieurs mois, côté maître Sera Gazius, te fin joint révocation dans tête paquet Gonaïve, côté remplacé par maître Vanel Amizial, sans aucune explication et justification. Maître Sera Gazius, te retourné ensemble avec une lettre nomination. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans tête paquet Gonaïve là, malgré maître Vanel Amizial, pour te joindre aucune lettre révocation ou bien transfert sous l'obédience nouveau commissaire, maître Sera Gazius, gang Kokorat sans race, qui te commencé par diplôme dans le département, t'as pas le refait si face, côté yo quitté zone Tibouadom, sous bassin blé, vintabili base yo nan porte rentré cité l'indépendance là, la croix péris gang ça, qui continue à opérer sans qu'elle saute. Côté au déjà commettre divers actes kidnapping, séquestration, vol, assassinat sous population qui a fréquenté route nationale numéro 1. Eh bien, Williams Raymond qui c'est chef gang principal Kokorat sans race qui était joint arrestation pour activité criminelle, rive joint libération nan mes chef paquet Gonaïve là, Sera Gazius, pendant juge qui était en charge dossier si là
pas de comprendre aucune décision. Libération chef de gang nan tout puissant, Kokorat sans race là, continue si mes gros doutes sous façon commissaire si là, a mené bak pake à nan naïve, côté non toujours ap cité nan dossier, te si tout nan zone mon blanc. Ou quoi se cause nan pays ça? Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, yon information radio référence nan go naïve, mette de yo. À la traka pou la vekaite. Non, commissaire ça, il mérite un bois calé. Non, commissaire a gen explication pou bay la République. Comment fait un chef de gang fin arrêté et puis quelques temps après libéré? Et rappelez-vous, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le jour passé, moun go naïve mettait ensemble avec la police, te débarqué dans la base Kokorat sans race. Tout messieurs ont couru. Après, chef de gang n'a te fait connaître, li gen zam, 30 000 $, etc. Et mes kounya là, autant de commissaires, t'as libéré chef de gang. Non. Frères et sœurs bien-aimés, commissaire Sila mérite yon bon bois calé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a fait ou konnen PEP 3e section communale Léogane rele Amway Sekou à cause yon épidémie diarrhée qui frappe pot yon. Épidémie sa qui déjà la cause. Divers chrétiens vivant qui t'en fait voel pour pays sans chapeau. Entendez quelques citoyens qui t'ap vive, qui ap vive dans la zone. Dans la zone, il y a plusieurs personnes qui sont frappées par la maladie. Mais dans la zone, il n'y a pas mouru, non? Pour partir du côté de la là. Il n'y a pas mouru parce que j'ai une cousine dans le coin de la maladie qui fait plus que 3 jours avec diarrhée. Et puis, j'ai l'autre cousin encore qui fait plus que 3 jours avec diarrhée. Et puis, j'ai un monsieur dans le voisinage encore qui fait diarrhée, qui fait n'importe 2 ou 3 jours avec lui. Mais moi-même, par grâce de Dieu, il n'est pas arrivé là quand même. Comprenez? Mais dans ce nom là qui cause diarrhée ça frappe nous pas subi de un bon traitement, nous pas gain de l'eau potable pour nous boire. Alors c'est de l'eau rivière ça ouais qui passer descendre là, c'est lui nous boire ou du moins pour nous monter juste dans tête cabaret en honnête pour aller chercher un bon kit de l'eau dans tuyau pour nous faire pour nous boire. Mais bon ici à là nous pas gain de l'eau et nous pas gain aucun état tout qui voyager dans zone là pour ouais dans qui état nous même habitants dans zone là à vivre. Depuis qu'il est en fait maladie ça déclenche dans zone. Bon, il était frappé déjà depuis 2000 après goudou goudou. Maladie ça t'a fait ravaille bon ici mais des frères qui était mouri là donne. Mais c'est bagaille depuis moi goudou goudou t'est passé depuis en 2000 combien pas songe non 2010. On t'a parlé de choléra. OK, là on t'a parlé de choléra. Depuis après ça, épidémie t'est frappé fort dans zone là, en pile monde t'est mouri. Les gens qui ont diarrhée ça, comment le fait yo, comment mon yo? Bon, les gens qui ont diarrhée ça, qu'on y a, yo déshydraté tout. Depuis diarrhée après mon nan la diarrhée là, ou senti li pa ka camper. Et puis c'est couri yo couri avec l'hôpital, après ça gen chance. Yo prend médicament et puis yo rale yon souffle mais comme ça tout gen tout qui mouri. Alors on dit que ou gen quelqu'un membre dans famille ou malheureusement qui était attrapé maladie. L'organe de est-ce que diarrhée li baye comme si li pa baye de l'odi ou t'es passé année passée pour choléra. Yo baye une toilette jaune mais y a toilette. Comprendre l'eau toilette choléra parce que m'te vive moun qui t'a gen choléra toilette choléra c'est ton toilette on de l'eau diurite l'eau blanche mais toilette ça yo bay la là par contre c'est trop mango yo de manger tout k'a manquer nourriture tout et puis yo bay une série de toilettes qui gespère jaune pa ils ont combien moun et au côté qui mouri et dans l'autre périmètre que vous parlez bon l'autre côté m'parle yo parce que gonde dame nan dal là qui rele Meridia. Les mouri là, yo di son diarrhée qui t'est frappé bien que m'poko e mam famille, mais yo di son diarrhée qui t'est frappé avant et puis il devine gon ti vestement, y a l'hôpital avec, après ça il vient mouri. Après ça gon l'autre élément bon centre de santé côté ma filié dans centre communautaire Pierre Louis et puis il t'est fin boire un dos sucré pendant saute dans travail toute journée, il était très bien, il pas de rien. Après il vient sortir, il a dans travail puis il vient entrer, il vient sentir il pas bien et puis il boit de l'eau sucrée pendant qu'il boit de l'eau sucrée puis diarrhée versement prendre et puis monsieur mouri actuellement là on a mort là. Moi habite pour mon premièrement moi suis un agent de santé HEPS hôpital Lyon.
Deuxièmement, moi, je suis président de l'organisation privée OPGL. OPGL, organisation. Et puis, je suis notable. Et après, moi, c'est 47 section. Mon cher, d'après, depuis 2010, c'est bien les routes qui commençaient à attaquer la couronne. En plus, on était mort. Mais quand on est là, la maladie a retourné encore depuis au début du mois de février. Quand on a nourri ensemble, il y a 15 personnes qui sont malades avec diarrhée. Il y en a actuellement presque mort là. Combien de personnes qui malades? 15 personnes qui touchent avec diarrhée. Diarrhée, vomissement. Petit monde, aucun monde. Nous devons faire ça du tout. Nous avons l'autorité concernée pour travailler de nous, pour prendre soin de nous. Et peut-être qu'on puisse nous faire pour nous. Premièrement, nous avons besoin de mauvais côté, nous avons besoin de l'eau. Et nous avons fait trois lettres avec mauvais de l'eau. Nous avons besoin de traiter pour nous avoir de l'eau. Chaque fois que nous passons quelques zones, nous avons mérité quelques bagages à mettre pour laver, mais nous avons besoin de bagages. Pas de ça. Or, nous-mêmes, nous avons demandé, c'est pour nous parler ça avec l'interview, nous avons avec les missionnaires, pour nous aider, nous avons des journalistes qui ont vu dans la zone de tout ça, yo, de consommer. Et de l'eau, et de l'eau. Parce que on a besoin d'ouvrir l'eau, quand il faut ouvrir l'eau, il faut ouvrir l'eau. Et c'est l'hôpital de l'eau, je me suis dit, je vous dis à vous écrire. Et je me contre avec nous là, je ne pas écrit à elle, parce que l'eau est fait argent, il va faire avec lui, pour nous donner un sabbat. Comme faire rendez-vous avec nous, peut-être, on a pris rendez-vous qui est plus précis pour nous rencontrer un responsable de lui, et puis un responsable et l'hôpital de l'eau. Je dis à qui ça nous a demandé. Nous a demandé avec le conseiller précis. Pour apporter, il mettait quelques gros kits avec Chloros pour nous, pour qu'on puisse trouver nous plus vite, tout ça plus vite. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, capable de une demoiselle qui chita et puis qui prend de l'eau. Donc, si de l'eau, ça qui n'a pas tout, souvent, dans la ville provinciale, on utilise comme de l'eau pour boire et puis tout près, on l'autre qui chita qui a lavé pour une grande rivière. Donc, on a demandé ensemble avec la population, en précaution. Avant même nous utiliser de l'eau, donc nous capables de bouillir, et non seulement ça tout, l'elfine bouillie, nous mettez, nous prigez, yon graine citron là-dedans, donc des cuillères de citron, et puis bien mélanger, comme ça, ou capable d'utiliser pour que nous capables de boire, puisque nous connaissons, ministre Santé a pas en santé, c'est en France là, chercher la santé, donc nous tout connaissons, le paguer la santé pour le ban, aussi simple que ça. Frère Maxime Kapkoutem, ancien candidat pour poste député dans la commune Miragouane, Wilfens Mobouin, qui t'a opiné sous opération Bois-Caléa, population a déclenché depuis plusieurs jours. En d'un pays a fait qu'on ait mouvement ça, commencé bail résultat. Wilfens Mobouin, seulement souhaité s'arriver sous bandit qui dans secteur économique là, avec l'autre acteur politique qui impliqué dans mette pays là. Côté lié, journée aujourd'hui. Plateforme Pro Jomo ak allié dénoncé l'enterre qui gagne dans cadre enquête sous assassinat président Jovenel Moïse. Responsable plateforme Pro Jomo, Giro France, longe douette li sous communauté internationale là, ak siro libanais, yo mélangé ensemble avec certains bourgeois qui impliqué dans zak si là. Militant politique la mande population a continué engagé li à travers mouvement populaire Bois-Caléa pour démasquer tout monde qui impliqué dans déstabiliser pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gagné Mas Amaral Soubopal qui c'est coordonnateur général Promo Jomo qui estime population doit arriver sous gros chabrak cap financer gang yo. Eh bien Massé Amaral, quoi tout autant ça pas fait, se lave mensye à te. Comportement autorité yo face à mouvement Bois-Caléa prouvé yo pas de aucune volonté pour résoudre problème insécurité a d'après responsable chimé délivrance pays d'Haïti, Céliska Jean-Élisée qui encourageait population an, pour yo continuer mobiliser lever campé pour défendre tête yo contre gang armé yo militant politique là souhaité mouvement Bois-Caléa passer visiter autorité yo tout entendre Céliska Jean-Élisée nan micro TAC 509. Le gouvernement, malgré disposition et moyens qu'il y a à disposition, yo, pas jamais répondre, pas jamais manifester de volonté pour yo mener des opérations et pour libérer des territoires de grands axes stratégiques que gang yo te occupé et afin que en façon de permettre que la population haïtienne ralentisse. Ça fait plusieurs années depuis et ces gangs qui ont régné et tout le monde connaît lui. Ça fait combien d'années depuis nous tout a demandé aux solidarités, aux coups de main au niveau de l'international. Ça n'a pas fait.
Maintenant, nous venons comprendre avec la déclaration du Premier ministre, et qui va renforcer par le directeur général de la police, là, nous venons comprendre que, effectivement, mon cap gouverneur pays a décidé de choisir quand. Et face à cette situation, ça, et nous, même dans le chemin de l'Université d'Haïti, que nous ne pas prêcher violence, mais le grand groupe monde qui vraiment, depuis plusieurs années, n'a pas eu accès à quand et n'a pas vaqué librement. Donc, il a rentré la caillou pour assassiner yo et quoi dit et violer madame yo petite yo famille yo et voler tout bien que yo gagne et que jodi an yo décidé poser des actions pour que yo capable et libérer tête yo. Eh ben nous jeune ce même gouvernement ça qui est en monté au créneau pour dire que population pas gagne droit défendre tête li dans façon ça. Et oui, yo pas ta gagne droit et yo pas ta supposé à lyncher. Mais et qui comportement et gang yo kon gen les que gang yo kidnappé yo les que gang yo a violé yo il y a pas assassiné yo et qui comportement gouvernement et gagner qui action que manifester depuis date ça pour te faciliter que pour te empêcher que bah arriver dans niveau de là et nous même nous pensons que et comportement ça vinn permettre que nous vinn mandé population haïtienne et kounya et face à déclaration ça faut yo armé de courage pour que yo attaquer et que ça Lionel Touyo capable briller le gang de Musso. Le gang de Musso c'est gang gouvernement gang et qui absolument pas communauté internationale là qui assistait de gang et qui sont à Opoa que le directeur de la police là et qui gang groupe gang partout puisque il y a pas jamais manifesté de volonté pour libérer pays là pour permettre que population haïtienne dans la souffre. Je dis à nous c'est eux même qui fâché pour et phénomène Boakale. Donc mais parce que et ça c'est quoi Jean-Auteur a dit lui que autorité au failli à mission yo donc citoyen yo yo décider prendre responsabilité yo pour capable de libérer communauté yo pour capable libérer pays yo. Donc moi pense que ça c'est conséquence de et faillite ou bien de dire effondrement de système et l'état institution yo moun kap diriger yo rapport à acquaintance que yo gagne à deux moun dans communauté internationale là pour mener pays vers un génocide. Et que y a utilisé monsieur qui gagne nan men yo pour qu'a mener pays vers un génocide. D'ailleurs où elle doit être très clair avec la déclaration de ISO où elle dit que yo pas gagne jou pour débarquer dans n'importe communauté pour assassiner valet moun ki yo. Donc moi pense que c'est une occasion en or que gouvernement ban nou pour le ministre Ariel Henry, directeur général de la police Abay pour que population haïtienne nan levé en une seule voix, en un seul homme pour déchouquer le gang de Musso, pour déchouquer et ensemble monde qui dit on a tête la police dans le commandement de la police ça et pour faciliter que nous mettions en place des un gouvernement qui gagne de monde qui responsable de patriote de monde qui gagne volonté pour vous et évacuer situation que n'a vu là parce que nous pas besoin compter sur gouvernement c'est un prolongement de et gang armée c'est un prolongement de gang qui dans communauté internationale là donc c'est et seulement en mission que vous avez, donc mission par l'autre que et mener pays vers un génocide pour faciliter le débarquement des troupes étrangères et cabinet pour venir et en maître seigneur vivre ça. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, où t'attendez, c'est Liska Jean-Élisée qui est responsable chemin délivrance Haïti. Donc, c'est moment, papa ici, hein, pour nous la prier. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça y c'est pas ça. Alléluia. Gang yo commencé perdre bataille. Amen. Et yo fait carré perdre bataille. Amen. Et pas sibérien. Gon les suspendre torturé. Amen. Gon les suspendre faire mal. Les bon Dieu frappe bien la terre. Arrêtez, sachez. Ils ont que j'ai signé. J'ai donné là. Alléluia. Amen. Je dis à ma bandit défi pour la rue à Xama. Je dis à l'insécurité. Il change quand? Il change quand? Oh oui! Alléluia, béni soit l'éternel. Insécurité, changez quand? La lance comment dit? Je dis à ceux qui n'ont pas dormi. Je dis à ceux qui ont papa ici continue à mobiliser chaque haïtien yon manchette. Défendre tout face à l'insécurité. Amen. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. Je dis à moi défi. Ou m'a dit défi. Fais live.
pour dire que fais live. Moi, je dis que folie mourir, elle kidnappe au monde. Que peuple apprend destin en main. Alléluia, papa, ici, prend destin en main, protéger tête ou, protéger la cour, protéger localité ou protéger famille ou. Papa, ici, prend destin en main. Alléluia. Ou pas de l'eau. Nous pas des zami n'a mouri, y a monté des sang, y a pas jamais dit rien pour nous. Qu'on prend manchette qu'a tout sauté, continuer de défendre. Les zami le gouvernement. Gouvernement pas avec. C'est gouvernement gangnié. Alléluia. La justice dans pays, peuple là-bas tête les justice. Amen, y a pas jamais choisi manou justice, n'a souffri, y a kidnappé nous toute la sainte journée. Et bien moment c'est moment pour défendre tout puisque pas des moun peuple haïtien qu'a défendre. Les bagues de justice dans le pays, c'est le peuple qui fait justice. Tout ça arrive là, c'est Ariel Henry qui la cause. Amen. Si Ariel qui a autorité, ça va arriver là. C'est une conséquence, conséquence. Tout ça va passer là. Bablem peuple là, c'est le gouvernement qui n'a pas besoin. C'est le gouvernement qui moral. C'est le gouvernement qui fatra. C'est le gouvernement qui vaut rien. Alléluia, mon Dieu. Et d'accord, on dit là. Yo te ge force pour tout yé président. Oui? Mais yo pas ka bay population en sécurité. Gardez papa ici, mobiliser. Campé sous manchette pour défendre tête ou contre bandit. C'est justice. Fais mes bouches ou moraliste. Les capales en pile. Côté ndeye. Les adaptés policiers. Côté ndeye. Les adaptés malheureux. Côté ndeye. Les adaptés d'abé mouna. Liliane Pierre-Paul, fais mes bouches. Pierre Espérance, fais mes bouches. Toutes ces mêmes gangs yon parlé ensemble avec yon. Moraliste yon. Si pas de moun mouri peuple haïtien, yon pas ka fait rapport, yon pas ka présenter journal, parler ensemble avec yon, nous gèdoua vivre dans propre pays. Nous. Bouchou, et Jodi l'a dit clairement, nous pas besoin d'intervention étrangère encore. Et choléra yon vin bon. Peuple a géré dossier, peuple a réglé dossier, nous pas besoin de l'en débarquer encore. Li trop tard, li trop tard. Ennemia, pas supérieur. Amen, alléluia. On a acclamé Seigneur. Acclamé Seigneur, mon Dieu. Et mon Dieu, bénis. Alléluia. Alléluia. Je vais prêcher violence. Mais toute violence, ça, c'est Ariel Henry qui cause lui. Amen. Il est si le papa gang, il est situé, il est toléré. Le blood, il est too late. Yes. It's too late for the blood to come. Yes. Nous n'avons pas besoin d'intervention hydrogène encore. Alléluia. Aïe, c'est mettre coq, veiller coq. Amen. Il y a toujours une pire à faire nous. Voler à faire nous. Chaque yon vini, yon allé, pas jamais de sécurité. Fois ça, peuple haïtien, campé sous manchette ou pour défendre tout. Haïtien prend destin en main pour vivre dans le pays où c'est terre lié. Amen. Tout le monde protège terre. Effectivement, protéger mon sauté par là, c'est terre lié, c'est terre ancêtre, c'est lui, yon te mouri qui te pour nous, c'est nous pour protéger. Pas de monde qui protège le pour nous. Stand for your ground. Exactly. Campé devant le territoire. Parce qu'il faut que nous ayons la paix. Ennemi, pas supérieur. Frappez, mon Dieu, ennemi. Ennemi, pas supérieur, papa ici. Celle-là, ça va demander blanc pour le faire. C'est pour le voyer au avion, mon Dieu. Oui, il y a un qui a travaillé pour lui dans le pays d'Haïti depuis 1900 jamais. Tout le monde qui est en Canada, tout le monde qui est en liste, c'est dominant. C'est liste, c'est des belles listes, c'est des bons listes. Pas de innocent là-dedans. Arrêtez, vacabon, ça y est. Allagez-vous à que ça y est, vous me sans juger. Parce que vous faites ça que la vraie. Amen. Et c'est pas seul gang d'outou ni yo. C'est pas seul gang qui a terre. Faut aïe, c'est comme un vrai gang, non. C'est nèg à costume yo. C'est nèg l'ambiro yo. C'est yo papa gang, non. C'est nèg kabaïsad, non. C'est nèg la drone, non. C'est ça yo gang, non. N'a vie yo quand même. L'éternel va dire arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Méchant pas jambes finit bien. Ça va étonner, méchant pas jambes finit bien.
qui ça somme premier dit. Si les méchants croient comme l'air, c'est pour être. Anéanti à jamais, bois calé pirette, peuple haïtien. Anéanti, repentance ou la mort. Mais le droit ta pour ils ont repenti. Le droit ta pour vite l'homme repenti. Le droit ta pour t'il a repenti. Le droit ta pour Christ a repenti. C'est repentance ou la mort. Puisqu'on va repenti, bon Dieu qu'on reste là. Que mon Dieu béni. La gaye kaka mandi. Que mon Dieu fasse grâce. Que mon Dieu aide. Haïtien levé ton pied. Haïtien bataille pour nation. C'est tes nous liés. C'est tes ancêtres nous liés. Bataille avec vacabon. Bataille avec méchant. Bataille avec politicien pépé. Vieux sénateur. Ancien président. Ancien ministre. Yo tout ce rôle. Bataille. Alléluia. Alléluia, mesdames, mademoiselles et messieurs. Yes. Bon Dieu, n'a pas gagné kaka bandi peuple haïtien, nous pas dans rance. Vendredi 5 mai, c'était journée internationale femme sage. Pour marquer date ça, association sage femme en Haïti, ASFH, organisait une cérémonie qui déroulait dans présence ministre condition femme nan ak doa femme Sophia Loreus sous thème ensemble nous avancer pour améliorer conditions santé sexuelle femme ak adolescent. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, président association Yves Carmel Fanfan nan intervention plaidé en faveur valorisation ensemble avec reconnaissance profession. D'après madame Fanfan, femme sage c'est plutôt santé sexuelle maternelle ensemble avec meilleur mental. Li lance yon appel by partner yo pour yo continuer collaborer ak yo et puis mande responsable MSPP yo pour créer un cadre légal pour réglementer et puis valoriser métier sage-femme dans l'idée pour réduire taux mortalité infantile ensemble avec maternelle en dedans pays ya. Cabinet Patrick Laurent en tête collée ensemble avec Office Protection Citoyen lancé vendredi 5 avril la 10e édition Salon Droit qui déroulait dans hôtel dans capitale la sous thème la justice administrative et la réduction de compte dans l'histoire d'Haïti. Occasion pour différentes interventions yo discuter sous avenir droit en Haïti. Anessa organisateur yo ajoutait deux prix dans salon. Youn la dan yo ki se Ketli Julien ki remporté pour bataille la mené contre détention préventive prolongée. Mesdames, mademoiselles et messieurs, n'ap rentre dans dossier sécurité ensemble avec Sévère. Yon l'autre fois, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. C'est un plaisir pour nous capable porter pour développement au journal là. N'ap du journal ça arrivé possible grâce à Clévé Campé, toute équipe salle nouvelle là, coordination ak rédaction, Josué Bellamour, micro-présentation, Jean-Wilner Sévère. Nous, pape Jean Sispandou, continuez, abonnez, partagez et puis like channel là, sous tout réseau, nous là pour nous capables d'informer. Nous pouvons ça chaque jour, mon Dieu, mettez avec tout un journaliste nous, qui toujours mobilisé, reporter nous, correspondant nous, toujours mobilisé pour capable porter toute information pour TAC Info 509, sous TAC 509, nous là pour nous capables d'informer. Bienvenue dans le développement journal là. J'ai noté annoncé ça dans titre journal là, ça fait plusieurs jours. La police a sillonné zone en bas la ville. La police continue à intensifier opération tout partout dans pays. Dans sens ça, force l'ordre renforcé présence pendant tout week-end, vendredi, samedi et même journée dimanche là dans zone Savonne Pistache, surtout dans village de Dieu. Plusieurs unités spécialisées avec section Angelou qui mobilisaient
yon série opération qui vise démanteler toute gang qui établit base yo dans zone sa et puis penser yo capable terroriser population hein. Coordination presse ak relation publique police nationale là à travers section audiovisuelle là sous toute réseau social yo page officielle Facebook PNH ou capable toute quelques séquences images sous déploiement la police là surtout dans zone stratégique surtout village de Dieu toujours dans ça que avec arrestation qui fait avec information qu'il est avec PNH là gagnent la police dominicaine qui annonçait arrestation yon ressortissant haïtien qui présentait comme membre gang 5 secondes yeye ainsi connu interpellé dans secteur Padre Granero dans Preto Plata sans et si yeye ainsi connu présenté comme membre gang 5 secondes la police posait la patte sous lui dans République Dominicaine la police arrêté lui dans secteur Padre Granero dans Preto Plata d'après information presse dominicaine. Selon information porte-parole direction régionale Nord Raphaël Messon arrestation gangster ça c'est résultat enquête direction régionale Nord police nationale dominicaine mené. N'a pas retourné en Haïti si gen police dominicaine qui a arrêté ressortissant haïtien et ben en Haïti gen autorité policière qui a arrêté tout dominicain détachement BLTS DCPJ qui basé na aéroport en procédé vendredi 5 mai à interpellation 5 ressortissants dominicains nan aéroport Toussaint l'ouverture pendant yo tap essai ranyo nan pays Bahamas yo té activement recherché par autorité dominicaine yo pour trafic stupéfiant faux ak usage de faux identité au CQS en nous cité 5 ressortissants dominicains sa yo la police haïtienne posé la patte sou yo gen Eustate Santos Rafael Vélez Taveras Lincoln Américo Rivera Bugos Georges Luis Caceres Vasquez David Flores Cavasco Claudio Ernesto, en nous réciter 5 ressortissants dominicains, ça y est, la police haïtienne posait la patte dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture, y a une accusation sous doyo, trafic stupéfiant, faux acte, usage de faux, identité aussi, Estate Santos Rafael, Vélez Taveras Lincoln Américo, Rivera Bugos George, George Luis, Caceres Vasquez David, Ak Flores Cavasco Claudio Ernesto. Nous pral parler dossier qui lié avec information qui lié toujours information bois calé puisque bandio utilisait une autre stratégie. Yo mettait rad sou yo normalement, yo prend la rue, yo prend pause, yo se machin ka promener. Soit yo prend pause, yo se machin de l'eau. N'a pas la semaine dernière nous te ba information ça côté moun nan Stenio Vincent dans localité Jalousie dans commune Pétionville, te touye 5 présumés bandi, yo te prend pause, yo se machin de l'eau, yo a circulé dans zone nan lorsque questionné yo, c'était nèg Timakak, nous connaît la police dans opération te fait dans la boule 12, Timakak te bwe glo bouche li. Monsieur ça a été sorti dans base Timakak, yo te vinn réfugié dans localité Stenio Vincent Jalousie. Yo prend pause mette rad sou yo, y a promené ça qui prend pause yo se machin de l'eau, ça qui propose yo se machin pa padap population dans localité sa yo te fait yo bwe glo bouche yo. Mais à cause un mouvement bois calien qui a pris territoire chaque jour mon Dieu mette depuis plusieurs semaines bandi yo senti yo paniqué. Yo utilisé yon l'autre stratégie. Dernier temps sa yo, kek la dan yo déguisé en machin qui a promené. Plusieurs la dan yo, mob nan population civile la démasqué. Ka ki pi récent, li enregistré nan Mayotte vendredi 5 mai. Yon individu qui fait tête li passe comme yon machin qui a promené, li te gen yon récipient qui gen la dan certains produits tan kou kadna, alimet, li tap sioné plusieurs kadse qui nan Mayotte. Dans l'idée pour capable joindre information nécessaire sous configuration zone. Après yon interrogatoire, li avoué li te deux passages dans zone pour capable prendre information
pour capable constater si il y a présence policière ou bien si il y a brigadier dans zone là qui sous place. Après révélation ben mob dans population tiré à plusieurs reprises sous lit, li pas touché. Après yo fin tiré plusieurs fois sous lit, li pas prend balle, population qui était en colère lapidel qui donc voyait en pile coup trois sous lit coup de bloc. Après ça yo mettait dit fait sous col. Stratégie déguisement ça utilisé à cause exécution dernier jour ça yo divers moun qui a servi comme informateur bandi dans quartier région métropolitaine Port-au-Prince là. Informateur ça yo déjà fait voile pour pays sans chapeau gen l'autre qui courit prend ville province. Malgré au prend ville province grâce à concours population policier dans département côté yo al yo prend la fuite là mais la police posait la patte sur yo. N'a pas appelé Gutler Saint-Éloi, yon présumé mob gang qui te fait tête li passé pour yon moun qui kon nettoyer soulier. La police te posé la patte sou li nan pako le 10 27 février 2023 pendant ta pren pause a suyer soulier pour moun, a nettoyer soulier pour moun. Li te servi antenne pour kidnapper qui a opéré dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Gutler Saint-Éloi te fait tête li passé comme yon j'en nous connait le boy site comme yon chay nan l'idée pour capable pi bien contrôler moun qui cible yo, ensuite pour capable voyer information bay acolyte yo. D'après la police qui te présenté individu ça nan yon vidéo li te posté sous page Facebook officiel yo. Nous pral ba ou l'autre information toujours avec moun la police rivé arrêté. Gagné deux employés Sojé Bank, la police arrêté pour détournement, tendez bien, $132,000. C'est Dafka Saint-Paul ak Kathleen Baochin et deux individus sa yo, la police a arrêté yo parce que yo détourné dans Sojé Bank $132,000 américains. Somme comme ça yo volé li pou client qui fait partie institution. C'est Bureau Affaires Financières et Économiques, Direction Centrale Police Judiciaire qui t'est procédé à interpellation de accusé ça yo. Dafkar Saint-Paul c'était superviseur dans caisse tandis que Kathleen Baochin lui-même l'était directrice opération dans Sojé Bank. Yo accusé vol, complicité vol, association malfaiteur dans cadre d'une enquête Direction Centrale Police Judiciaire t'est ouvert suite avec diverses plaintes qui t'est déposées à cause divers clients dans Sojé Bank t'est victime. En attendant recherche l'autre complice qui t'est guetté abandonné poste dans institution selon notre police nationale d'Haïti Dafka Saint-Paul ak Kathleen Baochin yo en garde à vue dans DCPJ poursuite procédure là. Nous allons continuer avec information yo. Nous connaissons depuis quelque temps et nous te voyons sur tout réseau social yo avec moun qui participent victime accident, notamment ti moun qui absout l'école ou bien ti moun qui parents yo prend abonnement pour yo pour capable payer un chauffeur moto ou bien un chauffeur machine pour capable mener ou bien à chercher petit yo. Des organisations qui se stop accident qui là pour capable faire sensibilisation pour capable sensibiliser citoyens yo, mais tout chaque semaine qui toujours ba un rapport sous ensemble de monde qui victime accident. Et c'est peut-être ça nan weekend nan organisation stop accident lancé yon campagne sensibilisation nan milieu scolaire yo sous comportement yo doit adopter nan l'idée pour capable diminuer cas accident sur route yo en Haïti. Activité ça faite sous thème chemin sûr vers l'école. C'est sous thème ça activité ça faite. Projet ça visé sensibiliser écoliers, enseignants, parents, chauffeurs, motocyclettes ak l'autre usager voie publique là sous nécessité pour gagner un comportement responsable dans l'idée pour capable réduire nombre accident circulation d'après docteur Garnel Michel qui s'est dirigeant stop accident. Campagne là li porté sous yon vingtaine l'école qui situé dans département l'ouest sud ak nord sensibiliser acteurs yo à communauté éducative là capable contribuer dans diminuer cas
accident circulation yo, toujours d'après médecin. Il y a plusieurs partenaires qui n'ont qu'à le projet ça, tant que ministère Travaux Publics, Transport, Communication, Banque Interaméricaine, Développement Croix-Rouge, qui supportait campagne ici là, toujours d'après Garnel Michel, qui était dans micro TAC 609. Je dis à nous présents dans le lycée Horacius Laventure, en façon pour que nous lancer un projet que nous gagnons et en campagne de sensibilisation en milieu scolaire, campagne là titrée Chemin sûr vers l'école. En fait, c'est parce que nous rendons compte que il y a pile petit monde qui victime accident, il y a un petit monde qui mourit dans accident avec uniforme sur eux pendant ou pas l'école ou bien pendant qu'ils sortent l'école. Il y a pile parents qui victime accident, il y a pile petit monde c'est sous moto ou vient l'école, il y a pile petit monde c'est à pied ou vient l'école. Donc nous croyons que l'important pour que nous choisissions cible ça, pour que nous fassions campagne sensibilisation ça, pour que réduire la quantité d'accidents qu'a fait sur route nous. Toujours dans ça qui gagne ouais ensemble avec cause sécurité dans le pays d'Haïti. Quatre individus joignent arrestation dans le département centre commune Inche. Mais c'est ça qui te gen zam nan men yo. Yo te aboyon bus qui t'a rentré dans le cap haïtien pendant la police t'a fait une fouille. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, la police cap fouille machine rapidement. Moun Inche, gade nou gete reini manchette à la main, wash block yop ton. Eh bien, population qui était vraiment diable, on les prend messieurs pour bailler au bois calé. La police t'a pral obligé utiliser gaz lacrymogène pour capable gayer foule moun yo pour bandi yo pas passer au fil de l'épée et courir ensemble avec yo rentrer dans commissariat. Frères et sœurs bien-aimés, il est temps pour nous faire danser. Si bati yo konya vin atake, qui ça n'a fait? N'a si mes manchettes sous l'oeil. C'est ça, mini justice la pavle tende. Premier ministre Ariel Henry dit nous pas fait jouer de bossal ça. Arnel Belize dit mouvement pas bay résultat, c'est lui pour chercher zam pour le vider pour le bay résultat. Kemet gang yo sauté peuple haïtien là yo wè capacité nous gagner pour que nous mettez sécurité dans pays. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en parlant de mini justice Émilie Prophète, mini justice là prend la parole dans occasion et saluer activité ça qui permet citoyens yo comprendre pi bien mission certaines institutions takou OPC, Cour supérieure des comptes et la trier. Titulaire ministère la justice là, te profiter faire éloge Cour supérieure des comptes qui a fêté 200 l'année en coûté mini justice là, Émilie Prophète, territoire perdu. Le salon du droit du cabinet Patrick Laurent a permis de voir de plus près et de comprendre la mission de plusieurs institutions, dont l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, le Bureau haïtien du droit d'auteur, la Commission nationale des marchés publics et, pour cette édition 2023, une institution phare de la République, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dont nous commémorons les 200 ans cette année. Vous aurez une journée pour voir au plus près, à travers différentes communications, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dont la mission est, selon le décret de 2006, de juger les actes de l'administration publique, les comptes des ordonnateurs et comptables, des deniers publics, d'assister le Parlement et l'exécutif dans le contrôle de l'exécution des lois et dispositions réglementaires concernant le budget et la comptabilité publique. Aïe, aïe, aïe. Je félicite la Cour supérieure des comptes et je sais que, Madame la Présidente, messieurs les conseillers, vous allez envoyer du lourd aujourd'hui. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire. Le ministère de la Culture et de la Communication est heureux de tenir encore cette année sa place habituelle qu'il estime légitime au Salon du Droit.
Pour le ministère et pour les porteurs du Salon du droit, c'est un exemple de fructueux compagnonnage entre une agence gouvernementale et une structure professionnelle. Sincèrement, je pense que nos besoins de construire durablement et d'entretenir un état de droit nous obligent à développer ce type de rapport inscrit dans la durée. Frères et sœurs bien-aimés, pendant ma temps des ministres de justice là, donc j'ai l'impression que nous sommes saletés. Je ne popcorn, non? Mais, moi j'ai des fraises, non? Ça c'est raisin. Pas n'importe spectacle, non, papa, ici, en France. C'est tellement délicieux. That's good. La justice. À la traque pour la vécaïté, papa. Président Cour supérieure des comptes, là, qui c'est Marinelle Tafetière, qui t'a joué rôle coordonnateur scientifique Salon du droit, rappelé, droit, c'est instrument qui est efficace pour modifier stricti institution, yo. Thème, altovite ça, ap, aider société à comprendre pi bien gestion l'argent l'État ak obligation pour rendre compte. Côté qui bon, on quitte ça là pour le pas faire. Journaliste Esaü César, à toute madame ni Chedland François Nose, te devant résidence Premier ministre Ariel Henry vendredi 5 mai, dans cadre d'un sitting pour dénoncer comportement la police qui crasait. Machine chez Dlande François Nose, nan moment ça, yote arrêté journaliste là, chez Dlande François, qui Chedland François qui mande justice et non seulement ça tout, mande ensemble avec chef gouvernement pour remettre les machines pressées, pressées. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans ça qui est awe ensemble avec dossier sécurité, dossier éducation et la santé, en nous tendez, eh bien, sévère, capoter détail pour nous. L'autre dossier nan journal la, week-end nan, c'était Journée internationale Femme Sage. Pour marquer date sa, Association Sage Femme d'Haïti organise yon cérémonie qui était déroulée en présence ministre Condition Femme ak Droit Femme nan, Dr. Sophia Loréus, sous thème ensemble pour nous avancer pour améliorer conditions santé sexuelle femme yo ak adolescent yo. Président association Yves Carmel Fanfan nan intervention plaidé en faveur valorisation ak reconnaissance profession d'après madame Fanfan femme sage c'est poteau mitan santé sexuelle maternelle ak néonatal yo li lance un appel by partenaire yo nan l'idée pour capable continuer collaborer ak yo et puis pour yo continuer mandé responsable nan ministère santé publique yo pour créer un cadre légal qui pour réglementer et puis valoriser métier sage femme nan l'idée pour réduire taux mortalité infantile ak maternelle yo en dans pays. Gagné ministre condition femme ak droit femme nan docteur Sophia Loréus qui était présent nan occasion rappelé wall journée ça c'est mettre en valeur profession sage femme nan titulaire ministère dit regrette profession sa qui pi ancien négligé nan système santé an. Pourtant c'est une profession qui gagne en pile compétences scientifiques ak médicales d'après Sophia Loréus qui invitait tout secteur pour investir dans l'éducation sage femme yo en côté docteur Sophia Loréus qui était dans Microtax 509. Depuis des décennies, les sages-femmes renforcent les soins de santé primaire, font office de point d'interconnexion essentiel entre les femmes et le système de santé, rendent la grossesse et l'accouchement à moins de risques et plus sûrs. De ce fait, on ne saurait sous-estimer leur contribution à la tête des objectifs durables et à l'instauration de la couverture sanitaire universelle. En effet, loin d'être une accoucheuse traditionnelle, la sage-femme est une profession de la santé dotée de compétences scientifiques et médicales acquises. En Haïti, où il y a médecin, obstétricien, gynécologue pour environ 12 000 habitants, la réponse à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile, à l'augmentation de la couverture de soins prénataux,
et la proportion d'accouchements assistés par des professionnels de santé qualifiés, c'est la sage-femme. Tout syndicat qui est impliqué dans la mobilisation, qui ne devrait pas faire le national, doit tout tabler de manière pas bien faite. En partage, tout le monde est capable de passer à négocier l'intérêt éducation de l'intérêt pays. Général Uno, professeur José Mélin, fait qu'on a pris passage à Premier ministre là, qui m'a dit population était tête fouette, groupe Améovine, puis Aoga. L'énoncé un appel par la population pour continuer avec le mouvement Bois-Caléa. Il souhaitait le mouvement ça orienter tout sous gang à Vessio tout pour le mouvement Bois-Caléa capable de réussir. En côté, l'autre fois, José Mélin, toujours dans le micro, José Belamont. Si nous considérons le volume crime, le volume kidnapping, le volume massacre, que nous avons fait. Et nous mettons après Ariel, il dit que faut que nous arrivions à cette fête pour que nous mangions. Pour que nous mettions cette fête qui nous massacrer. Nous voyons grandios, c'est-à-dire, message pas joyeux, nous vivons bien lâcher. Nous mettons ce massacre-là après message Ariel. Là. Donc, pour nous connexion, un message pas joyeux Ariel et ça qui a fait que nous là, du côté qui a massacré la fête. Parce que pas joyeux a assurance que nous avons cette fête. Et là, tu as fait tout policier qui a appuyé vite comme ça. L'entrée, de façon que quand nous avons gagné, pour que vous mangez, manger la population qui a fait là. La vie va tout bon. Mouvement parce que ça aussi là, il y a un bal qui nous résout rapidement. Tout le monde qui vous gagne, tout le monde qui n'est pas d'accord pour que vous mettez dehors, pour que vous mettez dehors, pour que nous devons protéger, pour nous réfléchir, pour une stratégie pour que nous ça. L'orienter dans le sens pour la base de la gang à sa patio, mais gagne à col. L'école gagne à col, le commissaire, joigne sa patio, et sa patio a bien créé toujours. Donc, pensez, pour ta fête, la police qui va dans le gang, la police qui considère que lui-même tout, la victime de la gang, tout est protégé avec le peuple là, après le peuple là, pour que ça, c'est que nous allons arriver, ni sous gang à sa patte, ni sous gang à la col. Et ça, la question aussi. La fille vous dit qu'il y a un peu de trois conditions pour que vous allez ici. Et puis après ça, pour nommer divers enseignants qui, depuis plusieurs années, qui sont dans ce secteur-là, qui, par exemple, qui a nommé. Gagné ministère de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, qui te rendu une visite pendant le week-end, plus précisément vendredi, dans l'École nationale République des États-Unis d'Amérique, qui trouvait dans Bois-Patate, Canapé Vert. Pendant la visite, ça qui visait soutenir, notamment du point de vue et sur le plan psychologique, établissement scolaire public, ça qui était affecté suite avec la dernière scène de violence qui était enregistrée dans Canapé Vert. Nous songeons avec ensemble individu, population Canapé Vert, là, tes jeunes qui étaient gézam sous yo, ça qui d'après a lancé mouvement Bois-Caléa. Et nous connaissons l'école République des États-Unis d'Amérique qui trouvait le Canapé Vert, il n'est pas trop loin, place Canapé Vert. Et non seulement ça, attaque qui était faite dans le début de la signature, il y a un peu de monde qui est dans l'école là, il y a des parents, il y a des proches qui ont perdu dans l'attaque. Il y a un souci pour capable porter un appui psychologique, il y a un ministre de l'Éducation nationale là, avec formation professionnelle là, qui est à l'école, élève, ça y est, visite, parents et enseignants tout qui dans l'école avec responsable. Pendant la visite ça et responsable ministère de l'Éducation nationale là t'es accompagné responsable représentante spéciale adjointe secrétaire générale Nations Unies en Haïti madame Ulrika Richardson et puis gagné tout représentant UNICEF là en Haïti Bruno Maes agent la police ak de membres association haïtienne psychologique. Moi vini là pour me capable encourager direction l'école là enseignant timoun à travers et par timoun yo et encourager parents yo tout d'après ministre Nesmi Maniga qui rappelait pour année académique 2022-2023 l'école là perturbé en pile à cause insécurité zak violence qui gagne dans quartier populaire notamment dans région métropolitaine Port-au-Prince là ak certaines localités qui trouvé dans département la Tibonite nous ka cité Tirivière la Tibonite ak Liancourt en côté Nesmi Maniga pour plus de détails. Nous sommes dans une année académique extrêmement difficile. Vous savez, on a dû remanier le calendrier scolaire. On vient de boucler pratiquement, allons dire, environ
5 mois. Il reste environ 2 mois, donc 9 semaines pratiquement, on va dire, pour la tenue des premiers examens officiels de la 9e année fondamentale et le baccalauréat qui va se tenir du 31 juillet au 3 août. Et aujourd'hui encore, malheureusement, ces dernières semaines pourraient être hypothéquées si la situation sécuritaire se dégrade. Et nous sommes très heureux de l'appui moral, mais de l'appui aussi de ses partenaires à différents niveaux qui accompagnent le gouvernement haïtien et qui accompagnent le ministère de l'Éducation haïtien, notamment, vous voyez, Edupol qui est présent et qui a récemment bénéficié d'un support des Nations Unies à travers l'UNICEF. Et nous travaillons sur d'autres plans. Nous travaillons actuellement sur un plan de tout un programme de récupération, d'accélération des apprentissages, parce qu'il va falloir que samedi, dimanche, on se mette au travail pour que les enfants récupèrent les jours où ces enfants n'ont pas pu être là. Mais le drame qu'on vit, qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces générations exposées à cette violence risquent de reproduire cette violence si on ne s'attaque pas véritablement à la dimension santé mentale. Donc la présence de l'Association haïtienne de psychologues est témoin aussi de l'intérêt du gouvernement, du ministère, des partenaires à prendre en compte cet élément, parce que ce qui se passe est dramatique dans la vie d'un pays. On n'a jamais été habitué à autant de violence dans le pays et je crois qu'il faut tout faire pour que l'école, qui reste pratiquement l'un des tout derniers remparts, l'un des tout derniers espaces de vie sociale, de vie où la communauté se réunit, garde, disons, une partie de cette mission. Donc, c'est un peu le sens de notre visite de ce matin. Ce n'est pas la toute dernière. On gère en même temps l'urgence, on gère en même temps les chantiers de transformation. Je profite de la présence de la presse, justement, pour dire qu'il reste encore quelques jours pour que les écoles puissent continuer à s'enregistrer en ligne, pour que les écoles puissent inscrire leurs élèves aux examens de 9e année fondamentale. C'est très, très important de, en même temps, gérer les urgences, la question sécuritaire qui ne peut plus attendre, mais aussi ne pas oublier que le pays n'est pas fermé, qu'il faut absolument qu'on sauve l'année scolaire. Voilà. En général, la première chose, c'est le soutien. Je pense qu'on est là pour encourager la direction, pour encourager la directrice qui nous a accompagnés dans ces différentes visites. Et pour, disons, c'est une école qui a été lourdement impactée. On parle de canapé vert, avec une grande partie des enfants viennent de Cité Gabriel. On sait ce que ça représente. Et c'est des enfants qui ont beaucoup de difficultés à dormir la nuit, donc c'est extrêmement difficile. Donc c'est pourquoi on tient compte un peu de tout cet environnement, pour que l'apprentissage, on tient compte de l'ensemble de ces défis. Donc c'est la première chose. Évidemment, les partenaires ont profité de l'occasion pour distribuer des kits scolaires, à la fois pour les enseignants, à la fois pour les élèves. Mais au-delà de la question matérielle, cette présence c'est vraiment une visite de soutien, d'engagement, pour dire qu'on est là, ils ne sont pas seuls. Directrice républicaine des États-Unis d'Amérique, là, fait qu'on est sacté passé dans le canapé violent, il y a une grosse conséquence sous présence de Timounio, parce qu'il y a un pile là d'ailleurs qui parvient à l'école là. D'ailleurs, un pile là d'ailleurs, il y a des parents qui victimes, les bandits attaqués toujours canapé vert avec Debussy. Magali Georges souhaitait une diligence qui fait pour capable accompagner Timoun Sayo. En écoutant Magali Georges pour plus de détails. Et nous sommes bien contents de recevoir visiter le ministre et partenaires, parce que c'est bien que vous venez garder en direct les difficultés que l'école a gagné, que Timounio a gagné, que la communauté a gagné. Donc c'est important, parce que pas oublier, l'école a desservi une communauté qui connaît vraiment en détresse. Nous avons gardé, nous avons un peu 50% de Timounio qui parle là, parce que vu le problème, la violence qui a gagné dans le quartier, côté. Parce que et plus que 90% de monde que nous recevons là, environ 90% sont dans la zone Debussy, Turcho, Cité Gabriel, Cité Georges, Méléry, Desbois, Juvena, dans toute zone. Ça, nous avons seulement 10% qui sont peut-être Delma, Centre-Ville, quelque part. Mais l'école là, c'est l'école vraiment, Timounio, sont dans environ là. Timoun est vraiment en état de choc. Nous avons Timoun qui n'est pas mort et qui n'est pas même enterré. Donc, son réalité est liée à la violence. Donc, les partenaires viennent comprendre et puis peut-être que
son cas pour des problèmes mieux adressés. Ou même en tant que responsable l'école là, comment ouais résilience vraiment? Moi, je vais parler de résilience, c'est un mot qui est trop facile pour utiliser. Même quand on que l'école là, c'est l'espace qui nous gagne pour fuir la violence. Là, on est dans l'école là, ils sont vraiment libres. Ouais, là, on est dans l'école là, ils courent, ils jouent, ils ont jeunes amis. Et peut-être que c'est thérapie, yo, c'est l'appui yo gagne. Donc c'est pas une résilience. Résilience, c'est pas adapter à toute situation, non. Résilience, c'est dépasser situation. Yo, même pas voulez parler de résilience, parce que nous pas qu'on dépasse. Donc c'est, ça me connaît. Les timons yo jeune espace l'école yo, au moins pendant 4-5 heures de temps, yo fuit violence, yo fuit problème quartier yo. Donc ça fait fun préserver l'école là, fun quitter préserver l'école là, fun aider sauver l'école là. Donc bon. Donc il y a des distributions de kits scolaires pour tout le monde. Nous avons des kits pédagogiques pour les professeurs. Sincèrement, je ne sais pas si je là-dedans parce que je vais trouver un enfant. Donc peut-être que je vais découvrir ensemble avec tout le monde. Il y a des kits pédagogiques, mais surtout promesse accompagnement psychologique. Et pour les professeurs avec Timono, et c'est ça qui est important, et dans l'appui que nous avons pour nous gagner. Donc, et après la violence, nous avons fait une semaine pas de fonctionner du tout. Nous commençons avec moins que 25% effectif. Aujourd'hui, nous arrivons à 50% effectif. C'est déjà un pas. Et content là. Et c'est ça qui est important, c'est que nous sommes contents là. Soubopal, représentante spéciale adjointe secrétaire générale Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, te profite pour mettre accent sur l'école comme institution qui est capable de contribuer dans le développement pays. Même avec la directrice République des États-Unis d'Amérique, là, Ulrika Richardson, quoi, faut gain accompagnement psychologique avec Timoun Sayo qui a vive genre de moment Sayo chaque jour à cause violence des gangs m'a fait dans divers quartiers populaires. On écoute Ulrika Richardson pour plus de détails. Bon, peut-être d'abord pour dire qu'on est là aujourd'hui, et je suis là particulièrement très contente d'être là avec monsieur le ministre et avec les équipes de UNICEF et pour dire que pour Nations Unies et on sait que la nécessité primordiale de maintenir les écoles ouvertes. Il devrait être dans chaque instant de n'importe quelle société, il devrait être l'institution qui ferme le plus tard, c'est le dernier à fermer et le premier à ouvrir. Ça, c'est primordial dans chaque société. Mais le Edupol, oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a une confiance. Et cette confiance, c'est un traitement en soi. Ça veut dire que ça renforce et ça réétablit la confiance. Et c'est énormément important pour les enfants. Nous avons continué avec information, toujours éducation. Gagnons une commission provisoire, restructuration qui prend tête l'école droit et sciences économiques au CAELA. Rectorat Université d'État d'Haïti a annoncé création d'une commission provisoire restructuration de l'école droit et sciences économiques au CAELA. Selon un circulaire ça rectorat publié, commission gain 4 membres qui est yoyé, c'est professeur Faltino Patrick Douillon comme coordonnateur, Clovis Bartol coordonnateur adjoint des affaires académiques, Marcelo Jean-Louis coordonnateur adjoint pour recherche et puis Max Serge Daniel qui c'est secrétaire général. Suite à l'annonce RIPTI relation entre rectorat Université d'État d'Haïti et école de droit sciences économiques au CAELA, rectorat annoncé une nouvelle disposition qui peut pour capable faciliter poursuite activité académique. Selon un circulaire sa rectorat publié, commission sa gagne pour organiser délocalisation et sec dans un espace qui puis approprié prend toute disposition nécessaire pour capable faciliter rentrée académique plus rapide possible, préférence avant semaine universitaire, sauvegarder année études dans respect normes académiques, assurer fonctionnement académique, administratif et financier et sec avec efficacité et dans transparence et commission sa gain pour soumettre tout bas rectorat. Yon plan restructuration qui a touché domaine académique, administratif,
ak financier ETSEC, récupérer archive ETSEC et puis favoriser nan bay diplôme licence qui toujours nan rectorat et puis redonner ak ETSEC statut entité publique qui pour UEH lan Université d'État d'Haïti qui c'est un service communautaire au CAI ak département SID payant. C'est quelques attributions nouvelle commission ça n'a pas rappelé qui gagne plusieurs membres là-dedans. On nous appelle aux membres qui gagne dans commission ça gagne professeur Faltinor Patrick Douillon qui c'est coordonnateur, Clovis Bartol coordonnateur adjoint dans affaires académiques, Marcelo Jean-Louis coordonnateur adjoint pour recherche et puis Max Serge Daniel qui c'est secrétaire général. Merci Sévère. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquins, et c'est celle volée au Capriti. Depuis la semaine, on a commencé un dossier ambassade Haïti-Washington qui a fait actualité. Et dans le dossier, ça, ancien Premier ministre Claude Joseph a en pile explication pour le bail. Mais nous connaissons, en pile dans nous cap vive, les États-Unis d'Amérique, blanc pas joué ensemble avec ça qui relait, ti l'agent taxe. Ou ka doué moun, mais ou a payé taxe quand même. Et pour dossier taxe, ou capable de prendre gros prison. L'agent l'État, c'est l'agent Chango. Qui différent dans le pays d'Haïti, nous pas payer l'État, mais aux États-Unis d'Amérique, ou a payé l'État. Depuis ou a travaillé, fuck ou payer taxe. Nous tout connaissons ça. Parce que ce bien-aimé, qu'on corruption tellement enragé derrière, eh bien, dans 12 employés, dans l'ambassade Haïti, dans Washington, c'est seulement 3 seulement, département d'État, qu'on est qui accrédité. Après ça, tout l'autre, yon peut pas ici, reste 9 yon, yon travaille pour Haïti, mais yon getan ge passeport américain. You understand? Ou se diplomate yon pays? Yo va au nom l'autre pays, l'arrivée ou qu'il a changé nationalité. Avait dit qu'il a pi américain parce que Joe Biden. Et ça qui belle dans l'histoire peuple haïtien, malgré y a travaillé. Yo pas jamais déclaré que y a travaillé dans parti ça. Oui, yo font l'autre petit job et puis sortent d'là. Y a touché. Avait dit sous l'argent ça, yo pas jamais payé taxes. Donc sûrement, messieurs, dames, ça y est, dans le jour qui vient, il y a une grosse décision qui prend compte. Il y a un code qui est capable de prendre tout. Et tant qu'on n'a pas payé taxes, c'est tout autant la augmenter. En tout cas, il y a un dossier qui suit de près. Frère Maxime Kapkoutem, bienvenue dans Haïti, pays spécial. À nous remercier, Seigneur. Remerciement à l'Éternel, remerciement à l'Éternel, adoration à l'Éternel, adoration à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel, remerciement à l'Éternel. Eh Yahweh, pour maman. Eh Yahweh, pour maman. Eh Yahweh, pour maman. Adoration à l'Éternel, adoration à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel, action de grâce à l'Éternel. Anniversaire à l'Éternel, anniversaire à l'Éternel. Continuez à mobiliser Boakale, peuple haïtien. Boakale. Yes. Boakale, Josué Belamour, ensemble avec Venesse, tout staff Taxe 609 qui te rend, eh bien, journal la possible matin. Remerciement spécial avec Fanatique nous Ivenson, Gerlancia Cantave 74, DSC Massillon, Jocelyn Val, depuis dans Maïsad, ensemble avec Dupont. Merci à chaque fanatique qui te
connecté ensemble avec nous. Non pas Monsieur Foucault, moi pour aller m'a quitter ou n'a pas papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Rendez-vous cassé talent comme ça pour une autre vidéo, nous pral continuer bousquer information pour nous porter pour vous et n'a toujours encourager ou continuer mobiliser pour défendre tête ou puisque si ou pas défendre tête ou pas de pièce moun cap défendre nous. Bon la journée tout le monde et déjà bon semaine passez le n'a papa bon Dieu parce que c'est lui même qui capable protéger vos amis ou Foucault 509 a toujours été connecté ensemble avec vous pour toute information dans le pays d'Haïti.